des crispations de la crise. Donc, moi je suis déçu, optimiste. Je pense qu'ils pourront s'entendre. De toute façon, c'est très important. Parce que c'est ça la solution. Il suffit, il faut s'asseoir autour de la table et dialoguer. Donc, c'est à l'issue de ça qu'on pourra régler nos problèmes. Et les manifestations, c'est une bonne chose, mais ça ne peut pas résoudre tous les problèmes. Moi, j'attends. Est-ce que cette rencontre, selon vous, n'est pas tardive? Parce qu'il y a eu déjà des manifestations, il y a eu des morts, il y a eu des blessés, il y a eu des dégâts, tout ça. À votre avis, c'est pas un peu tardif? Oui, c'est pas tardif. Bon, je déplore qu'il y ait des morts. Mais c'est pas tardif. Si on arrive au moins encore, je pense que mieux vaut maintenant au moins régler ce problème au lieu d'attendre encore qu'il y ait encore plus de morts. C'est pourquoi j'invite au président de faire des concessions. Et j'invite en même temps le chef de file de l'opposition de faire des concessions pour qu'il y ait intérêt d'entendre. À votre avis, le président va accepter les revendications du chef de file? Bon, peut-être on verra, c'est possible, peut-être il pourra les accepter. Mais comme on voit que ça produirait, il y a eu des morts. Maintenant, je pense qu'il faudrait qu'il y ait des concessions de part et d'autre afin que nous sortons de cette crise qui n'a que trop duré.